Bonjour soldats, bienvenue aujourd'hui pour la suite de l'aventure sur Call of Duty Modern Warfare 2, la campagne remasterisée. On continue aujourd'hui, on va terminer logiquement l'acte 1 et je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos retours sur la première, les pouces bleus, les commentaires, merci vraiment, c'est super cool. Allez, on y va. Et alors là, attention, on va vivre ensemble la mission la plus emblématique, la plus connue et sûrement la plus violente de tous les Call of Duty. Une mission qui a fait couler beaucoup d'encre. Oh que oui, je parle bien sûr de la mission Pas de Russes. En un mot, c'est un massacre. Une extermination. Oui, je sais, ça fait deux mots. N'oubliez pas de Russes. Un ordre, pas de Russes. Nous sommes bien sûr un agent américain infiltré parmi les Russes. C'est monstrueux. Mettez-vous à la place du personnage. Ce qu'il doit penser. Je suis infiltré. Je suis obligé de tirer sur les personnes. Je suis obligé de jouer le rôle de l'agent infiltré. Et c'est vrai que cette mission a fait beaucoup parler à l'époque parce qu'elle est d'une violence. D'une violence extrême. Et c'est pour ça que le jeu propose de passer la mission. Mais moi, de mon côté, je vous le dis, hein. Il faut absolument la faire, parce que elle sonne extrêmement fort. Le contexte est super important, et surtout, elle fait avancer le scénario. Eh oui, donc c'est important de la montrer, et d'aller jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'elle est difficile. Elle est très difficile à suivre. Surtout qu'on a vécu il y a quelques années, hein, les attentats. Quand on voit les personnes comme ça, à plat ventre, essayer de s'en sortir. Certains aider d'autres personnes et se faire comme ça tirer dessus avec une crainte, une peur juste effroyable. Et Makarov qui avance avec son fusil lance-grenade. Il a été courageux, il l'a payé de sa vie. Et alors, je peux t'assurer que si on tire pas dans cette mission, on est mort. Regardez-moi ça. Makarov, aucune pitié. Comme ils ont sauté. C'est monstrueux. Et en plus, c'est d'autant plus violent qu'on ne peut pas courir. On est obligé de vivre la scène, on est obligé de regarder autour de soi et de voir tous ces corps comme ça. Se trémousser, tous ces corps à terre. Alors encore une fois, on est en train de revivre un grand moment de jeu vidéo. Moi, ça me fait toujours quelque chose parce que voilà, c'est des missions qu'on a vécues. À l'époque, on a été choqués. J'ai envie de vous dire, je pense que certains d'entre vous n'ont peut-être pas été choqués par cette scène à l'époque. On y va. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça va beaucoup plus vous parler vu qu'on a vécu justement les attentats. Et là, vous allez vous dire, mais attendez... Limite j'ai rigolé à l'époque, limite ça me défoulait, aujourd'hui ça me fait pas rire. C'est pas une scène qui est rigolote. Le jeu vidéo ce n'est pas que du rire, ce n'est pas que du fun les amis. Le jeu vidéo, c'est aussi des émotions, c'est aussi du choc. Et clairement cette scène, elle fait partie des scènes les plus choquantes. Et oui, tous les vols sont annulés, tu m'étonnes. Pareil, hein. Ça me fait tout bizarre de revivre ça parce que c'était un grand moment. À l'époque. Et encore aujourd'hui, ça fait son petit effet. Ils sont pile à l'heure. Vérifiez vos armes et vos munitions. Je recharge tout, mon cher Makarov. Ça fait longtemps que j'attends ça. Comme nous tous. Et je peux t'assurer que c'est pas un jeu pour les enfants. Hein. Encore une fois, Call of Duty reste un jeu 18 et plus. Et ce n'est pas pour rien, les amis. Surtout quand on voit cette scène. Allez. Avance, groupe. Go. Allons-y. Alors, c'est vrai que la mission est courte, mais super intense. Très importante. J'avoue que c'est une scène qui est tellement lourde en fait. Elle est juste hyper lourde et donc
Oh la vache, ah oui, c'est vrai. Elle joue super lourde et donc t'as l'impression d'être un petit peu groggy quand t'as vu ça, parce que c'est juste impressionnant quoi. C'est vrai, hein. En arf, on profitait en fait pour les boucliers. Ils sont un petit peu à découvert. C'est assez compliqué, faut balancer plein de grenades. Ah, tu vois, ils sont obligés de bouger. Quand ils sont en ce. Dans ce moment-là, c'est super intéressant. Par contre, j'ai une moissonneuse batteuse, laisse tomber, elle met 20 ans pour se recharger. C'est incroyable. Allez, cadeau de la maison. Tiens, je vais contourner par la droite. C'est possible, si vous passez par derrière. Salut, ici. Par terre, il y en avait un, attention. J'essaie de les avoir, mais ces pavillons, ils sont costauds avec leurs boucliers. Je ne vois plus rien. Oh la vache, il m'a flashé. Oh, c'est tellement bien joué. Oh, c'est tellement bien joué. Il faut que je suive ce gars, mais pour l'instant, ça m'a pas porté vraiment chance hein, pour être franc avec vous. Pour l'instant, c'est chaud cacao. Une petite grenade fumée. Pourquoi pas. Les mecs là-haut, je pense qu'ils sont des dangereux. Il y en a aussi. Faut se mettre vraiment à couvert, hein, effectivement. C'est ce qu'on remarque. Non, c'est difficile. Ok, sors de là, c'est quand tu veux. Les mecs, ils ne bougent pas. C'est bon. Ah ouais, j'ai plus les bonnes grenades. Oh, en plus, ça arrive. Ouh, j'ai fait péter. Super. Je pense qu'il faut péter leur bouclier. Peut-être qu'au bout d'un moment ils lâchent. Mais faut y aller hein. Oh lolo. C'est l'enfer. Est-ce qu'on peut prendre un petit bouclier éventuellement? J'avance ou j'avance pas là? J'ai vu un mec. Ok, super. Dans le bus, dans le bus. Ok. Restons actifs, restons actifs. Oh pardon! Oh pardon! Let's go! Ah, j'ai du mal, hein. Franchement, c'est terrible. C'est par ici. Ah, d'accord, on est encore dans ce genre de jeu où il faut attendre que l'allié ouvre la porte. Ok. En même temps, Makarov, hein, c'est lui qui décide de tout. Ah oui, c'est la fin de la mission. Grand moment. Cessez le feu. Je vous jure, je m'en bouge. On leur a envoyé un sacré message avec cette attaque, Makarov. J'appelle pas ça un message. Ça, c'est un message. L'Américain croyait qu'il pouvait nous avoir. Nous découvrons le cadavre, la Russie entière voudra la guerre. Les Russes vont sûrement pas fermer les yeux sur ce massacre. Ça va pas être beau. C'est vrai. Mais aux yeux du monde, ce sont eux les victimes. Personne lèvera le petit doigt quand les Russes se mettront à abattre les Américains. Makarov avait un temps d'avance. Il a laissé des milliers de cadavres aux pieds des Américains. Nous seuls savons que c'était Makarov. Notre crédibilité s'est envolée avec Allen. Il nous faut des preuves. Suivez l'obus. Allez rendre Auroras. Jamais entendu parler. Vous le connaissez, c'est Alex le Rouge. Il a organisé l'assaut. Une balle pour déclencher la colère de toute une nation. Ce qui veut dire... qu'il nous mènera à Makarov. Ghost, les plaques correspondent. Bien sûr. Aucun signe du bras droit de Auroras. Négatif. Ils se sont déjà arrêtés deux fois. Aucun signe de lui. Attends, il s'arrête encore. Quitte pas. Il est identifié. Je sais pas qui sont ces types, mais ils sont pas contents de le voir. Ghost, je crois qu'on a un problème. Baisse-toi, baisse-toi. Je fais la balle. Proche, on fonce.
Le chauffeur est mort. On est à Pinsk. Retrouve-nous à l'hôtel Rio et tâche de lui couper la route. Compris, j'y vais. Eh, moi, je pensais que le Brésil, c'était un pays juste de football et de gros cul. C'est quoi ce délire? Ah bah, bienvenue, hein. C'est chaud, ici. Il a filé dans la ruelle. Oh là, attention. Pas de tir mortel. On le veut vivant. Bon, on va essayer. On passe par où, hein, McTavish? La biche. Watch, tire-lui dessus. Vise les jambes. Les jambes? C'est fait. Il est touché. Roach, ça va prendre un peu de temps. Va avec Miteroy fouiller la favela pour retrouver Rojas. C'est par là qu'il est allé. On y va. En avant, camarade. N'oubliez pas qu'il y a des civils dans la favela. Alors regardez autour de vous avant de tirer. Tu me prends pour un bourrin? C'est mal me connaître, voyons. Bon, ok, j'avoue un peu. Mit, sors ces civils de là. Compris. Oui, c'est une façon de faire. C'est pas mal. Ça me plaît. Ah. Ok, il me semblait bien. Là-haut, attention. Ouais, d'accord, il y en a partout en fait. Il y en a absolument partout. Je sens que ça va être l'enfer dans les favelas, hein. Attention, greux. J'ai vu quelqu'un. Oh. Un petit peupon. Le peupon de l'amour. Il est mort, lui? Oui, il est mort. Ça va être chaud. Je te le dis, ça va être... Oh, un civil, attention les gars. Ne tuez pas tout le monde. Mesurez vos tirs, s'il vous plaît. Oula, d'accord, là-haut. Attends, je vais contourner, gros. Faut pas qu'on aille tous au même endroit. Waouh. Ah bah d'accord, sur les toits de partout. Mais nous, t'es malade. Je crois que c'était une mauvaise idée de revenir en arrière en fait. Quelle connerie. Fais le tour. Oh attends, il y avait double Desert Eagle. Double Deagle, ça aurait été énorme. Oh là 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 là, ça s'enchaîne à une vitesse phénoménale. Attends. Oh l'agre. Protège-toi, t'as bien rechargé. Quand on est bien équipé. Passer à quelqu'un, mais je vais péter le baril. Comme ça aussi, voilà, si on s'en rapproche, ils pourront pas nous faire péter dessus aussi. C'est ça l'important. Il me semble aussi que quand on est touché, tu vois, ça, il n'y a pas autant de sang que dans la version d'origine. C'est fait différemment, c'est plus... Ouais, c'est moins voyant. Ça gêne moins, je trouve, visuellement. Ça, c'est bien. Ok, attention. Oh, pardon, monsieur. C'était pas voulu. Bien joué. Là-haut. Effectivement. Aïe aïe, je l'ai pas vu. Vite coucher. C'est très dur. Aïe aïe aïe, c'est chaud. Ah ouais. C'est juste infernal. Allez, on retente. On s'est fait dégommer. Ah bah d'accord, il y en a aussi là-bas. Oh là là. Allez, meurs toi. Va falloir qu'on joue un peu plus avec les grenades aussi. J'avoue que j'ai tendance à oublier ce petit détail. Rester un peu plus à couvert aussi, ça peut être une bonne solution, hein. Je pense. Mais ils m'attendent. Ils m'attendent. Incroyable, mais vrai. Magre, je l'ai vu partir. Hein. Je l'ai vu partir. C'est vrai qu'on peut les renvoyer, hein, dans ce Modern Warfare 2. Bonjour. Ah, quelqu'un là. Je l'ai tué en plus. Magnifique. J'ai objectif à gauche là-bas. Y'a quelqu'un par là. Oh. Merci de monter ta tête, mon gars. Ok, il y en a un ici aussi. Yes. D'accord. Allez hop, ça c'est fait. Le petit jump shot à reculons qui fait plaisir. Ça va un peu mieux. Oh là là. Il se dirige vers l'ouest, vers le haut de la favela. On va l'empêcher de revenir sur ses pas. Continue et coupe-lui la route. Oula, tu m'as fait peur. Te débrouiller tout seul. Bonne chance, terminé. Gentil le chien, gentil. Aïe 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 aïe. On tire derrière. Non. Le chien.
Ah, c'est vrai que ça mord. Encore ? Ah, ça rappelle bien sûr Black Ops surtout. Et chien, c'est vraiment pas évident. Putain. Merci un petit peu à couvert. Ils sont assez relous quand même, les gars. Ah, mais vas-y, l'outil est sur les câbles électriques ! Non, mais allô ! Il est cheaté celui-là ! Je le vois plus sur le toit. Lance-côte mitrailleuse, ouais bah super, ça donne vachement envie d'y aller. Attention grenade. En plus on est en pente, donc elle doit glisser. Allez. Ok, c'est par là je pense. Non, ce n'est pas par là. Ok là-haut. Oh là 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 là. Cette mission est infernale. Et pourtant, c'est une des premières du jeu, quand même, hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, t'es gentil, gros. Il est où? Pom, pom, pom. Ok. Ah non, pas ok. Là-haut. En fait, avec les couleurs et tout, c'est difficile à voir, en vrai. C'est bon, on est bien, là? Derrière moi. Oh là 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 là. Alors je ne change pas d'arme, hein. Je trouve qu'elles sont vachement bien pour cette mission. Et ils font mal ces cons sérieux là-haut. Là je les ai vus que maintenant. C'est fou. Je suis sûr que vous en regardant la vidéo c'est super simple pour voir tous les ennemis. Mais en jouant c'est pas si évident. Grenade. Ses balles. Bonjour. Non. Derrière moi. Attention, ne meurs pas, s'il te plaît. Reste en vie, mon Galaxou. Attends, on m'a tiré dessus derrière. Il n'y avait pas quelqu'un. On peut jouer au foot? Je sais pas. Non. Pas l'impression. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça, n'est-ce pas? Attends. Fais péter le bidon. Ok. Aïe, aïe, aïe. Je rentre. Ma petite poule. T'as merci de peupon, hein. Ça c'est une mission épique, mesdames, messieurs. Ça c'est ce qu'on aime. Ok, par contre c'est pas par là. On permet de se reposer un petit peu. Attends, je recharge. Grenade, on se tire. On peut tirer par la fenêtre éventuellement. Oh là là. Le problème c'est qu'ils ont la même idée que moi, quoi. Ou plutôt j'ai la même que la leur. Ok, c'est pas mal. Allez, on y va, j'aimerais bien avancer un petit peu, les gars. C'est parti. Où sont-ils? Par là. On lui tirait. Effectivement, ils sont là. Je préfère assurer. Le mec est pas serein, tu sais. Par contre, j'ai pas marre beaucoup de munitions de pompe. C'est un petit peu le bac qui blesse. Vous auriez pas une arme pour moi, une autre? Même si j'adore le pompe. On va essayer de le garder quand même. Non, il est trop utile. Trop utile. Ou alors je prends celui-là. Bah ouais. Oh Ranger. Où êtes-vous? Bon, attends. Je vais essayer d'aller vers l'objectif déjà dans un premier temps. Mauvaise idée. T'es gentil, mais. Oualala! C'est une blague! Énorme blague! Ah, ok, il est là-haut! Ah, je vais mourir là. J'ai plus où je suis. Couche-toi. Il est mort. Reste cool, recharge. Là-haut, j'ai vu aussi! Putain, c'est l'enfer, hein! Ah, cette mission! Est-ce que je suis le seul à en chier, sérieux? Faut monter par là-bas, mais là, on est toujours dans la merde! Un coin, c'est tu te rends compte un petit peu de la situation. Ah! Une greu! Est-ce que tu te rends compte un petit peu de la situation? Nous sommes seuls face à toute une armée! Ah non, c'est une mauvaise idée.
passe pas par là. C'est une très mauvaise idée. Vaut mieux avoir effectivement, hop, les protections comme ça. Et on va les tuer petit à petit. Voilà, on va y arriver. Hein. Lui, on dirait qu'il nous regarde. Il me stresse. En plus, je tire dessus et ça le dégage même pas. J'aimerais bien tester ce ranger. Ça me fait plaisir. Efficace. Par contre, il y a que deux balles dans le chargeur, forcément. Bonjour. Cadeau pour toi. Vas-y, saute. Fais-moi plaisir. C'est quand même galère hein, d'avoir que deux balles dans le chargeur. Hein. Bon, c'est le principe de l'arme hein, quand même. Je vais prendre l'Uzi. Ça va changer un petit peu. Oh, oh, ça fait peur. Ok. L'Uzi c'est nul hein, par rapport au combat par contre. L'Uzi c'est carrément nul. Et si jamais il faut courir voilà pour le coincer ou comment ça se passe? Non, je pense que c'est scripté, au bout d'un moment on va l'avoir. Faut le rejoindre effectivement au sommet. Cliché. Là pareil, j'ose même pas imaginer le genre en difficulté max, en difficulté vétéran. Laisse tomber. J'ai plus que 124 munitions. On y va? Let's go. Je pense qu'on y est presque les amis. C'est par là. J'y suis. Coureur, ici Bravo 6, on a récupéré le colis. Je répète, on a récupéré le colis. QG, on est prêt à évacuer. Envoyez l'hélico. Nos coordonnées sont... Bordel, le ciel est dégagé. Envoyez l'hélico. Vite! Le QG est complètement à la ramasse. On va devoir se démerder. Et voilà, on a terminé l'acte 1. Franchement, c'était violent. C'était incroyable. Demain, on commencera l'acte 2 avec la mission Wolverine. On a donc vécu aujourd'hui la fameuse mission tant attendue. La mission peut-être la plus violente de tous les codes, pas de russe, une mission qui prend aux tripes, une mission qui est psychologiquement difficile. On a fait également confrontation dans la favela, et je me souvenais pas que c'était aussi intense. Franchement, c'était chaud. Ah ouais, mais tellement génial. Eh bien écoutez, on se dit à demain pour la suite, merci à tous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, et encore merci hein, pour tout votre soutien sur les vidéos en général, parce que vous êtes super nombreux depuis... maintenant plusieurs années, à suivre mes séries, encore une fois, ça fait chaud au cœur, ça fait super plaisir. Merci à tous. Allez, à demain pour la suite. Et également aujourd'hui, début de la série sur Resident Evil 3 Remake. J'espère que vous serez présents, le jeu a l'air dingo. Par contre, d'après les premiers retours, il y a pas mal de parties qui ont été cutées de l'original. Heureusement pour moi, je n'ai pas fait la trilogie d'origine. Donc, je ne suis pas impacté, je vais kiffer le jeu à fond. Merci à tous, portez-vous bien. Et à très bientôt. Ciao, ciao!